Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce samedi 28 septembre 2024, TF1 diffusait la demi-finale de The Voice Kids, un rendez-vous attendu des fans. Parmi les moments marquants de la soirée, un détail a retenu l'attention des internautes, le look de Slimane, l'un des coachs de l'émission. Si le jeune talent Louis, encadré par Claudio Capeo, a séduit le public avec une réinterprétation émouvante du tube Mon Amour de Slimane, le style vestimentaire de ce dernier a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Slimane, qui avait gagné la saison 5 de The Voice en 2016, est aujourd'hui un coach incontournable de The Voice Kids aux côtés de Lara Fabian, Patrick Fiori et Claudio Capeo. Durant cette saison, Slimane a touché de nombreux téléspectateurs par son émotion et sa sensibilité. Il n'a pas hésité à partager des moments où il se voyait en miroir à travers les jeunes talents, cela a remué des souvenirs de moi plus jeune, de l'enfant que j'étais, de mes rêves de gamin, avait-il confié à Télé 7 jours. Cette sensibilité, qu'il considère comme une force, fait désormais partie intégrante de son rôle de coach. Toutefois, lors de cette demi-finale, ce n'est pas seulement son émotion qui a fait réagir les internautes, mais son look audacieux. Slimane est apparu avec un haut qui a rapidement été comparé à un tablier, accompagné d'un brushing ultra lisse, un style loin de ses habituelles bouclettes. Sur X, anciennement Twitter, les commentaires n'ont pas tardé à fuser, c'est quoi ce haut Slimane, libérer les bouclettes de Slimane, ou encore, non mais allô Slimane, c'est quoi cet accoutrement? Certains ont même comparé ce look à ceux vus à la Fashion Week, soulignant le côté avant-gardiste de sa tenue. Malgré ses critiques, Slimane continue de briller dans son rôle de coach et reste un pilier de cette édition de The Voice Kids.